Salut à tous, ici Tarscan. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures sur Fable. Alors, on savait qu'on avait blessé la Balverine Blanche parce qu'on avait l'amélioration d'argent. Et là, on va courir après pour mettre un terme à ses souffrances. On sait que c'est le chasseur, le dernier chasseur de Balverine, qui a été transformé après avoir tué la dernière Balverine Blanche. Donc, en fait, il est devenu lui-même la dernière Balverine Blanche. On va aller au lac de Witchwood, je sais plus comment ça se passe. En plus là on va être attendu par une armée de Balverines. Voilà. Va falloir tout donner. Elle est pas si forte. Ah oui, purée, je me rappelle à l'appel du renfort. Je vais pas m'occuper de toutes les Balverines, sinon je vais me faire pousser. Un boss évident. On prend pas notre gueule. Quand elle saute et qu'elle arrive. Et voilà. Yes, j'aime. Il y en a encore une dans... Ah non, c'est bon. On a obtenu la tête de la Balverine Blanche, justement. C'est surtout un arc de quête, la Balverine Blanche, qui permet de... Comment dire ? Comprendre l'intérêt des améliorations. Au tout début du jeu, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, et après, on avance. En plus, ça devient utile. Là, on a le village de Knottleglade qui va revivre maintenant. Ah, j'avais oublié ce coffre. Je pense qu'il y a dedans. Je suis sûr que c'est une amélioration. Ah non, une émeraude. Pas un super prophète. Hein. Ah, les musiques sont réussies. Tout est réussi dans le jeu. Franchement. Ça fait très fanboy, mais. Il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Passez une bonne journée. Bravo! Vous êtes sain et sauf! En entendant le hurlement, nous avons craint le pire. Mais vous avez vaincu! Un héros de votre envergure mérite l'honneur de se battre dans l'arène. Votre nomination devrait vous attendre à votre retour à la guilde. Oh! En parlant de la guilde, ils ont envoyé une lettre de votre sœur. Info. Par là, c'est pas... Bonne nouvelle, j'espère. Choisissez vos quêtes bien. À la guilde. Garde ! Il y a quoi, celui-là ? Vous avez pris quelque chose, voleur.
Voler. Oh, j'ai même pas envie de... Oh, je sais même pas si je peux aller au point de contrôle. Peut-être que le forgeron il aura du stuff un peu plus intéressant pour moi. C'est un peu con. Les jeux des coffres sont pas... Ouais. Maître, c'est une joie de vous servir. Viens d'explorer les lieux. Et les ballots de bois qui étaient ici. Fantastique. Bravo. Bravo. Ok, avec l'aubergiste. J'ai 9000 pièces d'or et une maison à Knotholglide, la zone la plus chelou. Voilà, ce coup-ci c'est pas du vol, je pense que c'était un bug. Et c'est bien stupide. Ouais. Bonne visite à vous. Oublier, c'est parce qu'on remasterise un jeu qu'on corrige des bugs. Hein. Il est merveilleux. Wow. Perso doit être full balafré. La fois que je lui ai enlevé son casque, semblait à Freddy Krueger. C'est vraiment le problème avec ce jeu, c'est que les cicatrices elles viennent tomber. Alors je dis pas c'est réaliste, mais. Ah voilà. Bouclier, je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Homme en maille noire. Et. Pas grand chose ici. Ah, si, il y a des gantelettes plates. C'est pas l'armure du... Ah, les voilà, les jambières de plate radieuse. Alors, si je me souviens bien, il y a une suite de quêtes. Là, j'ai les jambières ici. Mais pour trouver le reste, alors là, ça va être... On a les bottes de plate radieuse. Je crois que le reste, eh bien les gants et tout, c'est à gagner au travers d'événements et faudra creuser. C'est assez relou à faire. Comme si j'avais besoin d'or. Alors, je propose. Normalement, je peux peut-être avoir du maître. Marteau de maître, grande épée de maître. Hache de maître, marteau de maître, masse de maître, maître, katana de maître. Ouais, je dois revendre du stuff. Oh, je vais vendre le stuff de cuir. C'est à perte. Ils ont besoin d'un héros comme vous, alors le... Ah, je sais. D'ailleurs, on va pouvoir enfin commencer à changer un peu de stuff. Pour que vous puissiez commencer à voir à quoi ça ressemble plus ou moins. Botte de maille radieuse.
On commence à être vraiment grosse armure lourde. Hein. On a l'armure la plus lourde du jeu, en plate. Voilà. Donc là, on a déjà une partie du stuff. Et notre armure qui a grandement augmenté. J'allais changer le nom parce que chasse-poulet, c'est vraiment... J'ai vraiment claqué au sol. Ravi de vous servir. Alors. Parfait, je vais pouvoir aller m'acheter l'épée de maître. Vous cherchez du matériel de combat. Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Allez, je m'en fiche de tout ça. Ça va rendre l'épée longue de maître. Ah purée, au 22 000. Si je vends mon katana. Non, il va, on va pas être gagnant en fait. Ce qu'il me faut, pile. Pile combien pour. Ah bah non, en vendant le. Katana, normalement, je me retrouve. Ah, je crois que j'ai mis... Ah non. Et voilà. Vous avez tué la légendaire Valkyrie Blanc. Là, le katana maître est équipé, donc là, c'est plus de dégâts en perspective. On va aller se rapatrier à la guilde pour aller booster notre stuff. Notre stuff. Nos points d'attribut, parce qu'à un moment, faut pas oublier qu'il faut les placer. Honnêtement, j'ai trop la flemme de faire les sbrouffes. C'est ce qui est le plus marrant. On me sacre des marchands, il y a l'arène. Pas incroyable. On va y aller comme ça, je pense. Alors, de toute façon, c'est pensé hein, pour pas qu'on puisse arriver avec un plus gros stuff dans l'arène. Des trucs. Ouais, tu le sais quoi. Bravo! 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 J'ai jamais vu le pivot des statues. Ok. Alors honnêtement, il y a toutes les histoires de romance, mais j'ai trop la flemme de le faire. En fait, ça rallongerait à mort l'histoire. Powerstone Sud, il y avait quoi? Ah oui, on va les donner les livres. Il y a, je crois, il y a 24 livres à donner à l'école, et après, quand tu l'as fait, tu es l'ami des enfants. Thank you.
ravi de vous servir. Je vais changer aussi mon... Oh, il fait pas dans le lustre. Vous devez vous rendre à l'aire de pique-nique. Et des fois aussi, ça permet d'en apprendre plus sur l'histoire du jeu. Attends, les poulets, je les envoie sur Saturne. Avez-vous un l'histoire? Restez donc et écoutez, héros. Qui est ce rouge guerrier qui sème mort et destruction sur la terre d'Albion? Jack! Qui est ce légendaire héros masqué, fort comme 10 hommes? C'est Jack! Qui est ce démon rôdant dans la nuit qui emmène les mauvais enfants en enfer? Jack? Certains disent que Jack of Blades est immortel. Le mec a un gigamite autour de lui. Monde. D'autres encore affirment que ce n'est pas Jack, mais son masque que nous devons craindre et que de nombreux hommes l'ont autrefois porté. Quelle que soit la vérité, il vaut mieux ne pas le croiser. Ah, rebonjour, l'autre pays. On va voir ce que ça donne. Ça le cœur de voir un héros s'intéresser à l'éduc. C'était du temps du royaume oublié qu'un navire de voyageurs chargé de blé et de riz, fuyant notre terre par peur de l'épée, découvrit une île aux saveurs de paradis. Ils furent accueillis par des natifs bien disposés qui leur offrirent volailles, les mecs refont l'histoire de Christophe Colomb, et poissons, ainsi qu'une bière étrange de jaune d'œuf brassé, dont les réfugiés s'enivrèrent plus que de raison. Bientôt, ils furent tirés de leur ébriété par l'atout grâce de leur précieux hôte, qui, tombés malades, mouraient par milliers de la grippe qu'ils avaient apportée sur leur côte. Les natifs pacifiques furent vite décimés. Comme ils ne surent profiter des dons de la nature, leur sort à celui des étrangers fut scellé. Sur une terre abondante, de famine, ils moururent. Quelques survivants locaux rebâtirent un paradis, érigeant cette fois une vaste forteresse dans le sable. Dans l'espoir d'échapper à une mort probable, au cas où reviendraient ces sales, ces gens d'Albion détestables. Et les mecs, ils envahissent tout un pays, ils deviennent racistes. Ils arrivent à devenir racistes de leur propre peuple. C'est collector. Enfin, après, c'est l'histoire des États-Unis. Enfin, les mecs, il y a une parodie, mais si t'as un peu suivi en histoire, tu reconnais quoi. Bon bah écoutez, je crois qu'on va aller être bon pour l'arène. Je vais virer 2-3 petits trucs pour aller m'acheter un titre. Parce que chasse poulet dans l'arène. Bon. Bah, on va s'accorder un peu plus de flow quoi. Ça me dirait que le commerçant. Ravi de vous servir. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui vendre? Pas étonnant que vous ayez été désigné pour la... Chasse. Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on va lui vendre? Bon, le cuir, de toute façon, c'est vieux, c'est du vieux stuff. Ça sert à rien de le garder. Vous avez tué la légendaire Balverine Blanche. La reine est à vous. Et voilà. Donc c'est vrai que j'en avais pas parlé pour l'instant, mais on peut aller acheter un titre en fait pour notre perso à l'entrée de la guilde. Il y a un marchand très spécifique en fait qui ne sert qu'à ça, et c'est de vous vendre des titres.
Et dans ces titres qu'on verra ensemble, selon votre renom, vous avez accès ou non. Moi, j'ai la flemme de former le renom parce que, honnêtement, ça rallongerait les VOD longtemps. Faut que j'aille montrer Maleficus, Saint, Avatar, Libérateur, Druide, Rôdeur, Maître des Runes, Capuche, ça va. Passe de cul. Mais lui, devrait être gratuit, à mon sens. Ça fera plus le maître des runes. Ouais, on va se rappeler Rôdeur en mémoire d'Aragorn. Allez, c'est parti pour la reine. Vous allez voir quand même un moment très impressionnant. Alors, voilà, Knotoglade. Il y a peut-être une quête, il y a un point vert à aller discuter, donc on va tenter. J'ai besoin de gold. De toute manière, il me faut des gold. C'est plus dangereux. C'est dommage, il n'y a pas encore le cercle des combattants. C'est le contrat contre votre or. Enchanté. Bien sûr, plus vous devenez populaire, plus les filles se pâment devant vous. Enfin, vous commencez à être un héros de classe internationale, hein, à ce moment-là. Pas connu que dans votre village. Et c'est censé servir à ça, le Ron, justement, montrer à quel point vous êtes connu et tout. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai peut-être... Alors, l'avantage... C'est qu'on n'en a pas encore parlé... Mais un katana de maître à 3 slots. On peut l'améliorer 3 fois, donc il peut lui mettre de la foudre, mais il faudrait que je... Avant, il faudrait que j'aille voir une amélioration, qu'est-ce que ça vaut. Belle, j'ai 6 pelles. Ah, fallait que je retourne à la guilde, peut-être dans le bois de la guilde pour lui donner la réponse à ce gars. On va aller faire un petit tour. Dommage, ils expliquent pas les améliorations, ce que ça apporte. C'est un peu con, je trouve. C'est d'argent. Ah, 2 potions de dispute de volonté. Boire. Tiens, j'ai un élixir de volonté aussi, ça c'est con. Et voilà. Sauf qu'en plus dans l'arène, vous avez des artefacts, enfin des trucs exclusifs à l'arène. C'est un peu chiant. Hop, c'est des balverines, c'est roule. Bon, on a besoin d'XP. Un marchand mort. Langue a l'air quand même pas mal moins qu'avec. Vous avez assez de renom pour utiliser le hurlement barbare. Oh bah écoute, ça me fait une belle langue. Votre nouveau rang est célèbre. Thank you.
Hop. Nous sommes Merci. C'est une joie de vous servir. Je vais voir la carte. Ah, c'est ça, le temple de la lumière. Enfin, donner des golds dans le vent, je sais plus ce que ça donne, mais... Pas de quoi se péter les jambes. Donc là, on va pénétrer dans l'arène. Ça va être nickel.